Bonjour à tous et bienvenue dans l'échappée, l'émission vélo de Winamax. On est ensemble pendant un petit peu, plus, un petit peu moins d'une heure pour parler de la Vuelta qui s'est terminée ce dimanche avec la victoire inattendue de Sepkus. Euh, on va beaucoup parler de Jumbo Visma et de Sepkus. On s'était quitté la dernière fois au mois d'août, en plein été. Il faisait très chaud, c'était les championnats du monde. Bah, je peux vous dire qu'il fait encore très chaud. Euh, en plus, je suis arrivé un ouais, petit, peu, ce un petit Robert, peu en retard. J'ai un... Ah, un petit peu accéléré sur les, sur les 200 derniers mètres et ça, malheureusement, euh, sous, ça euh, ça, 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 on appelle <laughs> dans le... Jeu. J'espère que ça se voit pas trop. Euh, en tout cas, pour m'accompagner aujourd'hui, notre leader habituel, notre Jonas Vingard ou Primoz Roglic, c'est selon ce Polo comment ça va. Bien <laughs> ça, 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 ça va très bien. Euh, je ne sais pas si c'est... Avec l'un de ces deux coureurs que je me serais qualifié. Mais, euh, mais écoute, je prends. Je prends le côté leader, en tout cas. Merci, merci Robin. Ça va très bien. Content de, de vous retrouver, les gars. Content de retrouver de retrouver la, la, la communauté. C'est vrai qu'on a pris une, une belle pause, nous. Il fallait quand même prendre, prendre des vacances avec l'année qu'on a eue et surtout l'année qui, qui nous attend sportivement, tout autant qu'on est. Euh, c'est important de prendre quelques jours de vacances. Mais là, c'est bon, on est, as on est de retour. Tu pour... as aussi bossé. Tu as aussi été aux Philippines. Et oui, on a, aussi, on a aussi bossé parce qu'on fait pas que, que, que du cyclisme. J'étais à la Coupe du monde de basket. Au... Aux Philippines, donc ça pareil au niveau timing, ça tombait très mal parce que c'était pile en même temps que la, que la Vuelta, mais on a pu très bien suivre les deux, les deux quand même, et on s'est, on s'est quand même régalé. De, de l'autre côté de cette table, notre Joker, vous le connaissez si vous nous avez suivi pendant le Tour de France, parce que vous avez compris qu'aujourd'hui, on est sans Joseph, malheureusement, il travaille beaucoup trop, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. <laughs> Rémi, comment ça va Ça va très bien, merci pour l'invitation encore. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. On va parler un petit peu du sommaire de cette émission, donc le débrief de la Vuelta, vous l'avez compris, il y a un logo spécial Vuelta juste derrière moi. D'abord, dans demi-tour, on va revenir sur le triplé des jumbo, bien sûr. Sepkus, premier, Jonas Vingard, deuxième, Primoz Ruglic, troisième. Alors il y en a deux qu'on attendait plus ou moins là, mais le troisième, pas du tout. Et évidemment, ça a soulevé quelques questions, à la fois sur les suspicions autour de Jumbo Visma et puis sur l'intérêt de cette Volta quand on a trois coureurs de la même équipe sur le podium. Ensuite, dans Ansel, on parlera du, de Remco et Venopoul, le gros, le gros échec de cette Volta, puisque mm. si on en attendait un, pour concurrencer les Jumbo-Visma, c'était lui. Malheureusement, grosse défaillance. Et euh, au général, il est très très loin. C'est peut-être aussi parce que Remco n'a pas été au niveau qu'on attendait, qu'on a eu euh, ce triplé des, des Jumbo-Visma. Et puis, on, on, on terminera sur une note un peu plus positive avec la Volta des Français. Il euh, y en a pas mal qui ont brillé quand même. On attendait notamment les petits jeunes Lenny Martinez, Romain Grégoire. On peut dire qu'ils ont fait une bonne première Volta. C'est leur, leur premier Grand Tour, surtout Lenny Martinez évidemment. Et puis, il y en a d'autres. On parlera de Geoffrey Soupe, de Romain Bardet. Donc euh, voilà, vous avez le programme, messieurs. On peut démarrer. C'est parti pour le show. Pour... C'est L'heure donc de parler des sujets qui fâchent. Le triplé Jumbo Visma, les triplés même, on pourrait dire, parce qu'il y en a deux. Il y a le triplé Giro Tour Volta, le Giro remporté par Primoz Roglic, le tour par Jonas Vingard, la Volta par Sebkes, et il y a le triplé sur cette Volta avec Sebkes qui donc termine maillot rouge à Madrid devant ses deux coéquipiers Jonas Vingard et Primoz Roglic qui lui ont fait un petit peu cadeau de cette Volta. On va, on va revenir là-dessus. Euh, pour démarrer, messieurs, la victoire de Stepkus, c'est le, le Gregario, on voit, alors qu'on voit là le, le classement général. C'est le. Très beau le tableau, t'as vu C'est magnifique, Polo. Tu, tu, très, très tu, tu, tu le trouves comment, ce tableau Franchement, il beau. est aussi bien que ceux qui sont faits par Joseph au mois de juillet. <laughs> donc, euh, félicitations, Polo. Félicitations euh, pour Ute Brooks, surtout. Un bon copier-coller des familles. On va, on va <laughs> rendre à César ce qui appartient à César. Bravo, l'informatique. C'est de Brooks. J'étais obligé de, de copier-coller le, le, le nom pour ne pas faire de fautes. Ouais, bon, ça, ça, ça t as, t as très bien bossé, Polo. Je suis fier de toi. <laughs> et merci de m'avoir évité ça. Euh, mais donc, avant de rentrer sur le cas précis de Sepkus euh, et, et du Gregario qui remporte un, un grand tour, ce triplé Polo, 1, 2, 3, qu'est-ce que ça t'a inspiré dans la télé C'est compliqué. Euh, ce qui Déjà, moi, euh, quand on avait fait la, la prévue de, de, de cette Vuelta, qu'on avait commencé à en parler en tout cas sur, euh, sur notre émission euh, Roule Libre, j'avais dit que je sentais le doublé. Euh, le doublé Vingard-Roglitz, pour moi, euh, au vu de la concurrence, au vu de ce que cette équipe de Jumbo-Visma a montré sur l'année, de l'équipe. Qu'elle emmenait sur cette Volta, j'imaginais vraiment euh, cette équipe faire le doublé. Alors encore une fois, on aura le temps de se poser la question dans ce débat de savoir si c'est une bonne chose pour le cyclisme, si c'est euh, une performance euh, toute somme normale ou en tout cas euh, à l'eau claire. J'ai envie de te dire, euh, le fait est que quand on analyse un peu ce qui s'est passé toute cette saison, le doublé, il était quand même euh, très probable. Euh, le fait est que là, on n'en a pas un doublé, on a un triplé, excepté ce qui se rajoute euh, dans la danse. Euh, Je pas que ça me, pose, ça me fait poser plus de questions. Je suis content d'à côté de voir Seb l'emporter, pour moi, qui est un corps que, que, que j'aime beaucoup, euh, éternel, éternel coéquipier, qui, même lui, de ses propres aveux ces derniers mois, ces dernières années, disait que ça ne l'intéressait pas du tout d'avoir ce rôle-là. Et même là, à la fin de cette Vuelta, nous dit que euh, ce serait la première et ce sera surtout la dernière fois qu'il veut, qu veut faire ça. Moi, j'ai vu, vu qu'il disait quand même, on en parlera après, qu'il disait que peut-être ça allait lui donner des envies. Bah, ce euh, sera c le gros le, débat de, de, la, de la suite. C'était le. Euh, la conversation qui était attrapée avec sa femme, où elle disait « bon maintenant, euh, voilà, t'es un leader », en gros, plus ou moins, et, qu elle, elle disait, et que lui disait « non, 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 c'est la dernière fois okay. ». Après, effectivement, ça peut donner des idées. Mais pour revenir sur ce, sur ce triplé, euh, oui, il est surprenant, parce que ce qui est surprenant, c'est de voir cette cause euh, ici. cette cause moi je l'imaginais quand même, tôt ou tard, avoir un moment de, de moins bien et Dieu sait que parfois on n'en est pas passé on n'est pas passé loin notamment notamment sur l'Angliru euh, après retrouver euh, cette Jumbo Visma dominatrice et euh, Primoz Roglic et, euh, et Jonas Wingard sur le podium pour le coup, ça c'est quelque chose qui ne, euh, qui ne me surprend pas, c'est quelque chose qu que j'avais euh, plutôt anticipé avant. Donc voilà, après, comme je te dis, on parlera de, de, des conséquences que ça va avoir sur le cyclisme et sur, et sur la suite pour euh, que ce soit au niveau de la jumboisme et même au niveau du cyclisme global. Mais euh, voilà, je ne suis pas plus surpris que ça. C'est vraiment Sepkus vainqueur et Sepkus même sur le podium de cette Volta qui me surprend. Rémi, au-delà du côté, est-ce qu'il y a des suspicions autour de la Jumbo-Bismai Il y en a eu évidemment. On a eu pendant cette volta beaucoup de questions de journalistes pour Vingard, pour Cus et même pour Oglitch sur... Est-ce que vous comprenez que, que, que vous soyez un peu plus suspecté d'autres équipes quand vous faites 1-2-3 de la Volta Ils ont répondu, ils ont donné à peu près le même discours que, que ceux qui donnaient, celui qui donnait sur le Tour de France au mois de juillet et aussi l'année dernière. Ça, ça n'a pas bougé. Mais au-delà de cette question-là, sur l'intérêt sportif de cette Volta, euh, toi, est-ce que ça t'a embêté de voir une équipe qui fait 1-2-3 Ou est-ce que finalement, tu as réussi à être pris au jeu Parce qu'il y avait quand même cette question de est-ce que Vingard et Roglic vont laisser cette Volta à CUS euh, Est-ce que ça t'a quand même tenu en haleine ou est-ce que ça t'a embêté Je vous mets en, en attendant un petit sondage dans le, dans le chat euh, pour savoir si vous avez pris du plaisir ou pas sur cette Volta, Alors vous pouvez répondre oui ou non. Euh, Est-ce que c'est ça, 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 voilà. -ce est embêtant d'avoir ce triplé Oui, c'est embêtant. C'est forcément embêtant parce que même, même si jamais il s'était vraiment battu, parce qu'après l'Angliru, euh, il n'y a plus eu de bataille, ouais. même s'il si s'était battu, euh, tu sais qu'en gros cette équipe va gagner et ça perd quand même de son intérêt. Tu préfères un duel entre deux mecs d'une équipe différente, un Wingegord, Pogachar sur un Tour de France. Mmh plutôt Qu'un duel Primoz roglic vingegord et encore moins, enfin, encore plus si c'est trois mecs, trois mecs de la même équipe. Donc, oui, c'est quand même un peu gênant pour l'intérêt pour parce que tu sais que même s'il y en a un qui a une défaillance, bah, les deux autres seront, seront là pour, pour faire un et deux. Maintenant, si je réponds d'une manière très euh, rapide à ce avez-vous pris du plaisir dans la Vuelta Dans l'ensemble, oui. Ça t'a pas empêché d'en prendre bah, Pas empêché d'en prendre sur la première partie. Jusqu'à Langlirou. Après euh, jusqu Langlirou, j'ai voilà. euh, quasiment rien vu de ce qui s'est passé parce que le, 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 c'était terminé. On savait que euh, la, la polémique du soir de Langlirou fait que tu savais qu'ils allaient figer les positions parce mmh. qu'en gros, euh, il y a eu cette polémique avec Roglic qui a attaqué Kuss Vingegaard qui derrière n'a fait que suivre et n'a jamais pris un volet à Roglic. Euh, on est sans, on, on est sans en laissant dire qu'en gros, bon, bah, Roglic n'aurait pas Roglic faire ça C'était Roglic qui avait décidé d'attaquer Kuss mais que voilà. Villard lui aurait bien, voilà, aurait c bien c resté rester au chaud C'est ça, exactement. Bah, du coup en fait du coup on fait plus la course mais en même temps c'est logique les mecs sont dans la même équipe donc c'est normal qu'en même temps il y ait cette, euh, cette difficulté donc euh, bah, après il n'y a plus de bataille et t'as Quatre ou cinq jours derrière où bon, bah, il ne se passait plus rien. Donc euh, un peu gênant quand même. C'est le gros débat de, de, de cette Volta finalement de la dernière semaine. Ça a été ça parce que quand, rappelons que Sebkeus prend le maillot rouge euh, en première semaine, une grosse échappée avec Lenny Martinez dont on parlera tout à l'heure, où Lenny Martinez prend le maillot rouge, Sebkeus remporte l'étape et à ce moment-là il fait euh, un, un gros rapprochement au général. Il est deuxième, il prend trois minutes à tous les favoris et quelques jours plus tard, Lenny Martinez craque, le maillot arrive sur les épaules de Sepkes avec trois minutes d'avance sur bah, du coup, ses propres coéquipiers Vingard et Roglic, qui font partie des favoris. On a commencé à se demander jusqu'où Sepkes peut garder le maillot et on a compris petit à petit que si Jumbo Visma voulait, il pouvait faire gagner cette Volta à Sepkes euh, que les, les autres les Ayuso, les Mas, les Venupool n'étaient plus une menace pour Sepkes. Est-ce que pour vous, Polo, pour, pour toi, est-ce qu'il fallait euh, laisser cette victoire à Sepkus Est-ce que John Bovismay a bien fait de donner ces consignes-là au soir de Langlirou et de dire, bon, maintenant les gars, on arrête. Euh, il y a 8 secondes d'avance pour Sepp Kuss sur Inas Vingard, un peu plus sur Primoz Roglic. On arrête là et la Volta elle est pour Sepkus. Ou est-ce qu'il aurait fallu leur dire, allez, bagarrez-vous les gars, sachant que quand même, Jonas Vingard, c'est le vainqueur du Tour de France, c'est le leader numéro 1 de l'équipe Jumbo visma Primoz Roglic, il était en quête du record de victoire sur la Volta, il a gagné trois fois, et donc il voulait égaler Roberto Heras à quatre victoires sur la course. Est-ce que c'était légitime de dire, on arrête là c'est compliqué. Franchement, j'ai beau euh, avoir euh, mon avis. Moi, mon avis, c'est qu'il aurait fallu faire la course euh, pour leur propre image, pour moi, la Jumbo, et aussi pour l'image de cette Volta dans son entièreté. Euh, parce que c'est pour moi la seule manière de pouvoir sauver. L'image qu'a qu donnée la Jumbo Visma sur cette, sur cette course. Le problème, c'est que ça se passe pas comme ça. Il euh, y a des gens qui décident, les décideurs sont beaucoup plus pragmatiques que ça. Se faire la course à trois, c'est risquer que l'un euh, des trois explose et qu'on laisse on, on une place pas, sur un podium, on pas voire même qu'on perde. Alors ça aurait été en incroyable. En Formule 1 Polo, on dit des fois, on fait pas la course parce qu'il y a un risque qu'on se touche, on se tamponne, et les deux voitures elles sont à haute et on perd tout. C'est du vélo, ils vont pas se mettre dehors, les mecs Non, ils vont pas se mettre dehors. Par contre, si tu fais sauter Sebkes parce que Sebkes veut se mettre dans la bataille psychologique mm -hmm. avec deux adversaires. Qui sont plus forts que lui en montagne, et que derrière c'est euh, Michael Landa qui va chercher le podium ou je ne sais, pas, je ne sais qui d'autre. Là, tu peux dire Ok, on a fait un choix vraiment terrible. Le problème, euh, moi, c'est tout, tout là. C'est que moi, j'aurais aimé les voir se faire la course parce que du coup. C'est finalement ce, ce classement de l'âne, il est très vite très vite cadenassé. On peut dire ce qu'on veut, même si on a eu des, des, des belles victoires, notamment de Jonas, de Jonas Wingard, Même si euh, à l'Angliru, on a vu on a vu cette cusse un peu un peu dans le dur avec l'accélération de Roglic. Tomber sur Roglic à la, à la fin de cette étape euh, dans sa propre équipe, j'ai trouvé ça, j'ai vraiment trouvé ça pas cool. Euh, alors certes, évidemment, euh, c'est des consignes d'équipe et peut-être que les consignes n'étaient pas celles qu'il a respectées. Mais euh, tout en fait. Tout a découlé sur, sur une, une image catastrophique de, de, de cette équipe Jumbo, qui pour moi a tout fait dans le mauvais sens. Euh, soit tu dis dès le début que tu vas privilégier Sebkes, il, il est notre maillot rouge, c'est notre, notre favori pour la victoire finale, soit tu dis dès le début. Wingard euh, et Roglic, et, et vont pouvoir, vont pouvoir. Bah, c'est quand même l'un des meilleurs grimpeurs du monde avec trois minutes d'avance. Quand Sam fois, s'il prend le rouge, on s'est tous dit euh, que ça allait être très compliqué de le suivre. Et quand derrière, il perd à peine une minute euh, sur ses euh, sur ses coéquipiers sur le contrôle la montre, à partir de ce moment-là tu peux te dire qu'il est le favori euh, dans ton équipe et tu peux te dire que tu peux te tourner vers lui. Euh, parce qu'à partir de là, il ne restait que des, oui, euh, que des sur profils les, propices pour, son, sur pour les ses autres, capacités. Sur les autres grands tours, que il termine à bien plus que 3 minutes des vainqueurs. C'est pour ça que c'est compliqué dans un sens de dire on va jouer pour lui. Oui, parce que sûr. face à un Remco Evenepoel, tu pouvais te dire il va manger beaucoup plus que 3 minutes sur les deux semaines qui viennent. Après, il euh, y a une différence entre euh, le Sepkus qui est équipier et roule, pas forcément très tôt dans l'étape, mm -hmm. mais va, se, va rouler à bloc dans l'école dans les pour... Euh, et saurait le peloton, les, les, les favoris, et un sepkeuse qui reste dans la roue d'un coéquipier et qui peut grimper comme il le souhaite. Euh, on a bien vu la différence, euh, les, les attaques qu'il a pu placer quand il, quand il avait le maillot. Tu sentais que c'était... Euh, bah, évidemment, je pense que déjà, tu es, ouais. es galvanisé par le maillot de leader. Et, euh, et en plus de ça, le travail qu'il n'avait pas à faire en, en amont, euh, ouais. Du coup, ça lui donnait un peu plus de punch. Mais est-ce que c'était pas trop... Alors, je vous mets une petite stat. Euh, la Visma c'est la deuxième équipe à faire le triplé sur la Volta. Le triplé, gagner Giro Tour Volta la même année pour une même équipe, c'est inédit. En revanche, 1-3 sur la Volta, ça ne l'est pas, puisque l'équipe CASS mm. l'avait fait mais en 66 Donc, c'était quand même une autre époque. époque. Est-ce que c'était pas quand même trop compliqué de dire à Vingard et à Roglic, mais... dès la première semaine, de dire, les gars, vous êtes venus là pour gagner la Volta Maintenant, c'est fini, vous allez bosser pour Sepkus. Sachant que, on l a, on, on, je le redis, mais Roglic vise un record sur la Volta. Vingard vise un doublé Tour Volta, qui est quand même un truc de fou. Euh, C'était deux leaders dans, dans l'équipe sans contestation possible. Et tu vas leur dire au sixième jour de la Volta, les gars, c'est fini pour vous. Sachant qu'on a bien vu Roglic, notamment dans ses déclarations, Rémi. Il n'était pas très chaud, on sentait qu'il n'était pas très chaud. Il dit J'espère que ça va se jouer honnêtement, euh, à moins que les boss décident, il a dit. Bon, finalement, les boss ont décidé, mais on sent que lui, ce n'est pas ce qu'il voulait. Lui, il voulait pas de consigne. Bah, après, c'est normal. Tes compétiteurs, même si c'est ton. Zingard un eu ce discours-là, quoi. Même si c'est ton, si ton lieutenant qui, qui, qui l'emporte, tu restes compétiteur et tu lui parles du record de Roberto Heras, c'est évident qu'il l'a dans la tête et qu'il avait envie de, de faire le doublé de Giro Vuelta, euh, qui a été fait quelques fois, mais pas, pas si souvent non mm -hmm. plus. Euh, donc, quand t'adore le dernier, logique. je crois, en 2008. C'est ça, ouais, je, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis. Ça hein. classe quand même le, la, la Voilà, c'est important. Et je comprends qu'ils aient envie de se battre et je comprends que la Yumbo a mis un peu de temps avant de décider de figer les positions. Mais en fait, le problème, il est, il est très général et comme l'a dit Paul, la Yumbo a fait un petit peu les choses à l'envers et est très mauvaise dans sa communication et dans sa manière d'aborder les courses. On l'a vu pendant le tour quand Vingegaard disait notre, notre tactique, on la connaît, on, on s'y tient et les gens, ils sont juste pas assez intelligents pour la comprendre. Ouais. En gros, <laughs> c'était ça. Oui. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est plus l'atmosphère autour de la Yumbo, euh, les déclarations qui sont faites par les uns et les autres, qui font que du coup, bah, on les regarde différemment et quoi qu'ils fassent, ils seront, critiqués. Ce bizarre, parle pas. excuse moi Robin, c'est euh, on compare les positions de Roglic et Vingard euh, par rapport à, au comportement qu'ils ont eu. Ils sont pas du tout dans la même position, notamment euh, en interne chez, chez Jumbo. On parle d'un Jonas Vingard qui a gagné deux fois le Tour de France, qui vient sans aucune pression sur cette Volta en disant si je gagne tant mieux, si je gagne pas tant pis. De toute façon, j'aurais aidé Primoz Roglic ou pour le coup, euh, pour le coup, L'année prochaine, euh, ils seront tous encore chez Jumbo parce qu'ils sont, sont tous sous contrat. Euh, Primoz Roglic qui a gagné le, le Giro, qui aimerait quand même un spot de leader, je pense, sur le Tour de France. Euh, bah doit prouver dans cette équipe, il doit prouver qu'il est capable, même s'il a gagné le Giro, même s'il a déjà gagné trois fois cette volta, il doit prouver que face à Jonas Vingard, il peut faire le... Il peut faire le il peut, comment dire. La match. Faire le match, merci et merci Robin. Il doit prouver qu'il est toujours en capacité de gagner des grands tours et d'avoir potentiellement ce spot de leader sur, sur un Tour de France. Euh, et là, on lui a enlevé cette opportunité, ou du moins on a essayé de lui enlever. Euh, après, du coup, la grande question, c'était de savoir si ce euh, si n'était pas là, qui de Roglic ou Vingard aurait gagné. Euh, je pense que Vingard aurait, euh, aurait quand même gagné, mais Roglic était, était quand même. Euh, à Un niveau très élevé sur ce, sur cette Vuelta. Les deux sont pas dans la même position chez, chez Jumbo. Et moi, autant je peux comprendre que que Vingarde la joue ok. Allez, on fait plaisir à cette chose, machin. C'est beaucoup plus facile. Euh, il a, il a pas cette pression interne que, que, que Primoz Roglic a notamment vis-à-vis -vis de du Tour de France et du rapport avec avec le Danois. Donc euh, moi, et, là, je, je, et puis l'âge en plus, parce que Roglic a 33 ans, euh, le, le, les années filent. Euh, gagner le Tour, c'est maintenant quoi S'il veut gagner le Tour, et si même, si même, on parle même pas de vouloir gagner le Tour, d'être pris dans la, dans l'équipe. Jumbo-Visma pour potentiellement gagner le tour. Ouais. Euh, tu vois, c'est tout. Tout est compliqué. Donc euh, moi, je comprends Primoz Roglic, euh, je comprends Vingard et euh, je comprends que je, je comprends ces trois coureurs et surtout euh, la Jumbo. Alors, il y a des choses à dire et encore une fois, euh, là, on, on discute vraiment factuellement de, du sportif. Je pense qu'il y a un réel problème qui va, qui va plus loin que ça avec cette équipe. Mais sportivement, là, pour euh, pour euh, pour les directeurs sportifs, c'était un casse-tête sans, sans, sans nom de devoir faire un choix entre ces ces trois armes en fonction du, du scénario de course qu'on a eu. Quoi. Dans le chat, dit le meilleur n'a pas gagné. C'est l'essentiel à retenir. C'est sans doute vrai. Euh, il y a cette question, c'est que à un moment avant l'Angliru, euh, je crois c'est après le Tour Malais, il dit j'ai pas envie qu'on me fasse cadeau de cette Volta. Euh, je pense que je la mérite, mais j'ai pas envie qu'on m'en fasse cadeau. Finalement, à la fin, on lui on a fait cadeau, puisque quand, quand il y a 8 secondes d'écart avec Jonas Vingarde, on sait très bien que s'il y a bagarre, Sepkosz ne ne gagne pas cette Volta. S'il a pas un maillot Jumbo-Visma, Sepkosz il se fait attaquer et il perd. On est d'accord. Ah oui, oui, très clairement. On, on a vu sur la sur le la... Sur la semaine on va dire glissante jusqu'à l'Angliru, où il perd petit à petit du temps, au-delà du chrono. Où il perd il, peu de temps, mais il en perd. Il limite, il limite les dégâts. Il en perd petit à petit. Et quand Vingegaard se retrouve à 8 secondes, tu sais, tu sais qu'il va prendre le maillot euh, s'il si, en a envie. Il gagne deux étapes euh, de manière très solide, euh, Jonas. C'est euh, est, est le meilleur grand-père du monde, de toute façon. Et il l'a encore prouvé sur cette Vuelta. Euh, Roglic est, est un peu moins bien. Tu, tu le sens qu'il est déjà au-dessus de Kuss, mais qu'il est un petit peu moins bien tu sais que de il, il va, passer. Alors encore une fois, euh, on comprend que euh, ils aient eu envie de stopper, euh, stopper les. Ce qui est peut-être bizarre, c'est d'avoir stoppé quand il y a 8 secondes d'écart et pas d'avoir stoppé plus tôt quand il y avait une minute, une minute trente d'avance pour cette ça. C'est ça, c'est un petit peu. En même temps, en fait, on a laissé Vingard revenir au maximum oui. avant bah, de dire. C'est ça. ça, tu le laisses revenir et tu stops après l'Angliru et en même temps, si tu stops avant, bah tu, tu flingues toute la dernière semaine de la Vuelta. Donc c'est quand même particulier. Je vais un peu défendre les Yumbo, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Cette on leur situation, serait tombé est... dessus aussi, Quoi en fait. Quoi qu'il arrive. Si, en fait. si, si à la si. 13 e étape, au tourmalet, il dit. C'est pour ça. Remco a craqué, on est 1, 2, 3, maintenant on bouffe plus, c'est comme ça, c'est la 13ème étape, il en reste 8. Alors on m'a dit vous êtes des fous. Oui. Bien sûr. Et je pense que ça, ça a été le, ça a été le choix automatique dans cette équipe qu'on a, qu'ils ont dû se dire. Ils ont beaucoup moins communiqué dessus évidemment pour pour essayer de préserver leur image, même si finalement ça s'est retourné contre eux. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, quand que Coenepoel craque, c'est l'idée globale chez chez visma de s'attaquer au minimum et d'essayer de conserver ce statu quo pour un podium. Parce qu'encore une fois, je le dis que s'ils avaient décidé de s'attaquer, alors certes on aurait eu un spectacle, on aurait eu un spectacle fantastique. Je suis pas sûr que cette course fasse Podium. Euh, ça et là, on leur tombe dessus aussi. Et là, et là, on leur tombe dessus aussi. En disant, ouais, ils, ils et... ont voulu se battre et du coup, ils font pas un 2-3, et... ils font que 1 et 2 et il y a Ayuso ou sur et le. En, et en interne, tu, tu perceptes que ça aussi, je pense. Euh, alors que tu sais à quel point il est, il est important pour toi, notamment au niveau de l'ego. C'est sûr qu'en il va que... bosser. Là, oui. non, il tout ce que je suis C'est l'un des meilleurs grimpeurs du monde qui n'a pas l'ego d'un leader, quelle que soit la course qu'il a faite. Là, il s'est retrouvé un peu par hasard avec cette posture de, de leader, mais tu sais que sur les trois prochains grands tours, puisqu'il adore enchaîner les grands tours, uh, euh, Sepkios, il sera, il sera potentiellement euh, euh, très, très docile euh, avec, ses, avec ses leaders. Euh, bon, bah, tu as choisi cette, cette option-là, et cette option-là te fait peut-être sûrement perdre aussi Roglic dans la tête. Il n'y avait ouais. pas de bonne solution, je pense, pour la Jumbo lisman Oui, il fallait peut-être mieux quand même garder Roglic que Kuss, à voir. En tout cas, ils ont fait ce, ce choix-là. Sep Kuss, donc, petite statistique, c'est le premier coureur de l'histoire à remporter la Volta après avoir déjà fait le Giro et le Tour de France, avoir terminé le Giro et le Tour de France dans la même année. Euh, Rémi, une question sur l'image de, de Jumbo. Polo, il disait tout à l'heure, c'est Kata. Mais est-ce que finalement, le fait de faire gagner Sep Kuss, l'équipier, le Gregario, ça ne leur donne pas une image très humaine et ce n'était pas finalement, en termes d'image, le meilleur choix à faire Alors, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, ça veut aussi dire pour le, les, les gens lambda, on va dire, que n'importe quel mec peut gagner un grand tour s'il va chez Yumbo. Ouais. C'est ça que coéquipier, le, le, voilà. le gagne la Vuelta. C'est un vrai problème. Tu tu déplaces le problème, en fait. C'est un, un autre problème. Je Mais après, c'est le problème du vélo en général. Quel que soit le vainqueur, il est de toute ouais. façon suspecté. Donc, tu jamais raison quand tu gagnes au vélo. Et là, en l'occurrence, tu gagnes beaucoup avec la Yumbo et n'importe qui. Enfin, n'importe. Pardon pas n'importe qui mais tout le monde gagne et tu gagnes les trois tours avec trois vous mecs différents vous pas faire gagner Robert Gesink sur cette Volta non, ouais, non 10, on 10 est ans plus tôt voilà. ils auraient pu hein. <laughs> ouais, ouais, voilà. bah, c'est sûr que c'est Kelderman ou, ou, ou Gesink qui gagne tu te poses évidemment Kelderman ça serait, serait peut-être passé euh, Gesink qui a 37 ans ouais. après je suis d'accord que euh, c'est quand même il euh, y a vraiment ce côté récompense pour que. alors après le sport c'est pas c'est pas censé être ça hein. on, je le sais bien mais il y a un peu ce côté récompense du coup pour, euh, pour le service rendu donc euh, oui, c'est sûr que ça va un petit peu améliorer leur image dans ce sens-là, mais dans un autre, encore une fois, je te dis, bon, de toute façon, on va leur tomber dessus quoi qu'il arrive. C'est ça le problème. J'ai l'impression, on peut dire juste Jumbo, ils sont habitués à faire des cadeaux. Euh, on, a, on en a pas mal parlé avec Christophe Laporte, à qui ils avaient fait cadeau d'une étape est euh, de Paris-Nice et d'un maillot jaune. Il euh, y avait eu aussi euh, Wout Van Hart qui fait cadeau de, à Christophe Laporte de cette année. C'est quoi C'est Grand-Vevel Games grand Ils arrivent ensemble sur Paris E3. -Nice. En Paris-Nice, ils font un 2-3 ouais. sur la première étape l'année dernière. Et, et, et sur Grand-Prix e euh, euh, mais mais un... il fait pas cadeau. Ouais. Il ne fait pas cadeau, donc c'était dans l'autre sens. ça Cette année, il lui fait cadeau d'une grande classique à Christophe Laporte. Il y a régulièrement ce genre de cadeau chez Jumbo. C'est parce qu'il domine trop, en fait C'est exactement ça. Le problème, c'est ça n'en est pas un quand on chez Jumbo, au contraire. Mais euh, ils, ils arrivent à se mettre dans des situations qui arrivent de plus en plus régulièrement, euh, de pouvoir se permettre ce genre de, ce genre de choses. Euh, il est là le problème chez Jumbo Visma, qui, euh, qui aujourd'hui est une équipe euh, qui ne laisse rien aux autres. Et la, 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 la question qu'il faut se poser, c'est comment c'est possible Alors il y a certains qui sont sûrs d'avoir les réponses. Nous, euh, on pense les avoir aussi mais encore une fois on n'est pas là pour faire de la diffamation ou quoi que ce soit le problème et Guillaume Di Grazia le disait très bien sur les plateaux des rois de la pédale c'est que euh, on suit le cyclisme depuis, depuis beaucoup de, de temps beaucoup d'années et, euh, et ce qu'on voit là on sait que c'est pas normal et euh, voilà, à partir du moment où tu as dit ça, tu ne peux pas dire grand chose de plus pour l'instant. Euh, Peut-être que le temps nous, 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 nous le dira, nous confirmera ou nous, nous, nous infirmera. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas normal. Parce que pendant cette Vuelta, évidemment, euh, on a vu tout ce qu'a fait la Jumbo. Mais tu regardes en même temps en Grande-Bretagne ce que fait Wood Van Aert et Olaf Coy, ça n'a aucun sens. En fait, partout, partout ils mettent les pieds, euh, c'est une branlée pour les adversaires. Euh, même le team UAE qui est sur, le, qui est sur des, des, une strate à peu, près, à peu près similaire, ne peut même pas, ne peut même pas suivre. Oui, mais sur, sur cette volta, on ne peut pas dire quand même que l'équipe UAE, elle a le, le, le même... Euh, les, les mêmes références que l'équipe Jumbo c'est une équipe non, bien sûr mais tu as, pogacar, t as, t as Yuzo, podium, mie, podium de la vuelta l'année dernière tu as, as joué Almeida podium du Giro euh, cette année oui, mais qui et... finissent déjà très loin de mais... Almeida finit podium du Giro oui mais c'est ce, que je, derrière, oui, ce que je veux dire c'est exactement ce que je veux dire c'est que enlèves pogacar évidemment mais mis à part euh, mis à part Vingard euh, Roglic et finalement globalement cette équipe Jumbo Visma euh, les performances, voilà, elles sont pas aussi linéaires, elles sont pas aussi linéaires à un niveau euh, d'extraterrestre. Euh, tu vois, je vois Almeida, tu vois ses performances... Tu, tu, tu peux te reconnaître dans ce qu'il fait. Juan euh, Ayuso, euh, pareil. On l'a vu toute l'année. Euh, C'était en, en Suisse. En Suisse, on l'avait mm -hmm. vu euh, enchaîner les, les, les bons et mauvais résultats. Il revenait de blessure Là, pareil. On l'a vu très bon, mais aussi parfois plus moyen. Hydric Mas, c'est pareil. Les Bora c'est pas. Ces ce mecs-là, ce mec on le sait. c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais ces mecs-là, on le sait qu'ils sont moins bons que Vingard. Je te, te dis pas qu'il faut qu'ils soient en à leur fait, niveau. Pour moi, le, Je mais... te dis juste qu'il y, y, y a un maintenant, en termes d'échelle... La Jumbo à qui n'arrive rien derrière ta et le reste après, voilà, ça ressemble à du cyclisme qui n'est peut-être pas normal, mais qui, qui semble un peu plus normal aux yeux aux, aux yeux des, des, des suiveurs et même du du, du grand public. Moi, c'est le vrai problème que j'ai avec cette équipe de c'est oui, à, à coup de donnage de ça se dit, donage de de à coup de donnage de leçons de faut pas boire de bière, de faut pas faire ci, faut pas faire ça. Euh, ils se retrouvent à, à être mais indiscutables au niveau sportif, euh, indiscutable dans les résultats au niveau sportif. Euh, bah voilà, encore une fois, comme le dit guyomdic Grazia, ça, ça nous rappelle à des, à des mauvaises heures du cyclisme. On ne peut pas en, en dire plus, mais ça pose un, un vrai problème. Le niveau, la différence de niveau euh, entre, entre eux et le, le reste du monde, ça n'a aucun sens. On avait déjà un cyclisme à deux vitesses depuis 2020, depuis euh, l'après-Covid, après, -COVID, après le premier confinement, on a un cyclisme à deux vitesses où on avait... Iumbo, UAE. Quickstep, Ineos, Bahreïn qui dominait et qui gagnait absolument oui, mais tout mais avec là, quelques mecs. Ouais, je cite équipes, Mais là depuis 2023, on n'a plus qu'une équipe, comme le dit Paul. Et les autres qui sont derrière. Même UAE ne peut, Et encore le, le recrutement du d'UAE, il est monstrueux, est un mutant avec Pogachar qui gagne le Tour des Flandres mm -hmm. et qui est capable de gagner le Tour de France aussi. Mais ça ne suit pas. La Bahreïn, euh, c'est pareil, c'est en difficulté. Ineos ne gagne plus quasiment plus de tour même d'une semaine. Euh, la Quickstep n'existe quasiment plus, euh, sauf euh, Remco. Et pareil, ça ne suffit pas. Enfin voilà, il est vraiment, il y avait ce cyclisme à deux vitesses avec cinq grosses machines. Maintenant, on n en a plus qu'une. Et pourtant, c'est ça, parce que même ces équipes-là qui font des perfs, euh, quand je vois quand je vois ce que fait ce que fait Woodpool, euh, que ce soit sur cette Volta ouais. ou même sur le Tour de France euh, chez Baren, quand je vois ce que fait aussi Remco, qui on en va en parler tout à l'heure, mais qui fait quand même un drôle de, une drôle de un drôle de Volta quand on fait le, le bilan comptable. Euh, c'est des équipes aussi qui surperforment. Mais c'est pas au niveau de cette Jumbo Visma qui est imprenable sur tous les terrains, du monde entier. Évidemment qu'ils sont meilleurs que tous les autres. Je vous mets un petit sondage dans le chat, les amis. Est-ce que vous êtes heureux pour cette quand même ou est-ce que c'est... Moi, je suis heureux parce que si tu enlèves le contexte, etc., ça reste un coureur que j'aime beaucoup et qui est cool. J'aime bien l'histoire, j'aime bien le passé du gars et surtout, au mérite, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on y revient cette question d'un gars qui s'est vraiment sacrifié, La récompense quoi, euh, pendant euh, pendant euh, toutes les années de sa carrière les, belles, les plus belles années de sa carrière pour euh, pour faire gagner d'autres coureurs qui, euh, qui cette fois lui est récompensé alors c'est un peu euh, ça fait un peu euh, bien pensant de, de dire ça euh, mais franchement ça me fait quand même plaisir pour lui après voilà il reste aussi un coureur de cette équipe de Jim qui enchaîne trois grands tours à un niveau très élevé évidemment dans les autres euh, il y a eu des jours où il pouvait se reposer où il pouvait ne pas mettre de coups de pédale euh, ça reste quand même quelqu'un qui fait trois grands tours et qui arrive à chercher euh, au bout du troisième euh, une victoire euh, sur un grand tour. Enfin, ça peut aussi poser des questions et je peux comprendre que les gens se posent des questions dans le, dans le chat. Mais euh, moi, le, le, la première impression quand je vois que quelqu'un a gagné, c'est que je suis quand même content pour lui. Si j'avais eu le choix entre les trois, j'aurais aimé que ce soit lui. C'est comme ça que je résumerais la situation. C'est logique, on l'a déjà dit dans cette émission de toute façon, euh, d'être interpellé par certaines performances, de se poser des questions. C'est sain dans le vélo. Euh, ça faisait plus de 50 ans qu'il n'y avait pas eu un triplé 1-2-3 un, par une même équipe sur un grand tour. C'était déjà la Voelta à l'époque. Donc c'est logique, je pense, pour l et Rémi, d'être interpellé. Vous avez raison de l'être. Euh, après, il y a aussi des explications euh, au Roglic-Vingegaard. On savait qu'ils étaient les deux parmi les trois meilleurs de cette volta. Le troisième, c'était censé être Remco on va en parler après. À partir du moment où Remko saute, je trouve que c'est normal d'avoir et Winger tout en haut. La seule surprise finalement dans cette histoire-là, pour moi, c'est Sepkus. Euh, mais une surprise où, en fait, c'est la première fois qu'on le voit jouer sa carte perso. Donc euh, ouais, peut-être que ça veut dire que quand il joue sa carte personnelle, on a bien vu qu'il n'était pas plus fort que les deux autres, euh, ils lui ont laissé cette volta. Ouais. Mais est-ce que Sepkus, c'est pas euh, normal Est-ce que c'était pas attendu que le jour où il joue sa carte personnelle, il soit juste derrière ces deux, euh, deux leaders, peut-être que finalement, euh, c'est une surprise parce qu'on ne l'avait jamais vu, mais que c'était euh, de ses jambes depuis longtemps. Il y a deux enseignements à tirer de, euh, de cette Volta de cette On, on va voir, voir d'ailleurs, on a un petit euh, template de, de Sepp pour voir un peu qui l'est et d'où excuse sort. Pour moi, il y a deux enseignements à tirer de, ce, de cette Volta pour Sepp Le premier, euh, c'est sa capacité à ne pas avoir de jour sans. Euh, alors euh, évidemment euh, quand il craque un peu dans la roue de, euh, de, de ses coéquipiers dans l'anglirou euh, tu peux dire ah ouais mais il est un peu moins fort bah évidemment qu'il est moins fort t'as oui, euh, et Vingard qui sont devant lui et en plus derrière toi bon tu finis avec Landa mais derrière toi il y a personne c'est son niveau dans la hiérarchie, toi, en fait. euh, dans la hiérarchie et c'est déjà un très très haut niveau donc moi pour moi il y a le fait que plus, contrairement à tous les autres tours où il a fait bah, c'était pas, pas forcément des jours sans mais des jours où il est capable d'être à ce niveau là sur trois semaines et puis surtout son contre la montre sur 30 km de plat hyper, -même, hein, il perd une minute sur Roglic un peu moins sur, euh, sur, sur Vingard, à peu près hein, j'ai plus les, les trucs en tête c'est impressionnant c'est impressionnant. Là où un Lenny Martinez qui se battait aussi pour le classement en général finit plus loin. Là où d'autres coureurs, il finit devant un gain Thomas par exemple. Alors c'est pas au niveau des formes, etc. Mais il finit devant un, devant un gain Thomas. Euh, voilà. Pour moi, c'est les deux enseignements. Et ça, je trouve que tu peux construire autour de ça s'il si, si a envie lui d'être un peu leader, peut-être pas sur un grand tour ou peut-être sur des, des courses d'une semaine ou quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr qu'il en ait envie. Mais si on a envie, en tout cas, c'est des bases solides sur lesquelles tu peux construire. Vous êtes majoritairement content pour Sepkos, 80%, plus de 80% pour cette victoire. Rémi, une dernière question, après on passera au sujet de Jérémy mais Paul le disait, si Sepkos a envie d'être leader, bon, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas s'il a envie. Mais est-ce que toi, tu as envie de voir un Sepkos qui demande des responsabilités chez Jumbo, voire qui part ailleurs pour devenir un leader qui ne peut pas être chez Jumbo parce que la route est bouchée Oui, bah, Sepkos, moi, ça me faisait penser, euh, depuis 2-3 ans, il me fait penser à whatpools qui a complètement euh, abandonné des espoirs d'être de, de, leader sur un grand tour. Je ne dis pas forcément de gagner, mais en tout cas de, de jouer des premiers rôles sur un grand tour, euh, en se mettant au service de euh, Froome et de Thomas à la Sky, Sky News. Bon, là, il en a gagné, un, Alors avec des circonstances encore une fois, mais ça n'empêche qu'il a cette victoire. Est-ce que ça peut lui donner des idées Pourquoi pas pourquoi pas as envie de le voir bagarrer sur d'autres grands tours On a envie de voir les meilleurs des, des, des grimpeurs comme ça euh, se battre euh, vraiment à armes égales contre d'autres, euh, contre les autres. Et pas soit euh, uniquement suivre parce que bah, on tient le maillot au rouge ou, euh, ou rouler justement pour, pour ses leaders. C'est vrai qu'on a envie qu'il y ait une diversité de, de mecs dans différentes équipes pour que les batailles soient plus belles. Donc oui, un 7 un dans une autre équipe pour jouer sa carte, ouais, pourquoi pas Bon. ce sera un peu Sepkeus qui va décider de ça. Il avait expliqué lui les dernières années, avant cette Vuelta euh, que le rôle de leader, c'était pas fait pour lui, que c'était trop dur, qu'il fallait être concentré tous les jours, qu'il n'avait pas le droit de prendre une cassure, qu'il avait pas le droit d'avoir un jour sans, et qu'en gros mentalement, c'était pas pour lui. Euh, qu'il faut aussi être toute l'année euh, à bloc en pensant à un seul objectif. C'est voilà. une mentalité différente qui va très très bien à Jonas Vingard, euh, qui va bien aussi à Primoz Roglic, mais Sepkeus disait que c'était pas pour lui. Euh, il a gagné cette Vuelta euh, pas par hasard, mais euh, sans l'avoir prévu. Donc euh, à voir si ça va lui donner envie euh, de, de, de changer un peu ses ambitions pour la suite. Il a que 29 ans, donc il, il a quand même l'âge ouais. où tu peux te dire... Je fais un switch aujourd'hui, euh, mais ouais. voilà. Polo disait il y a la conversation avec sa femme. Moi j'en ai vu une autre. Où il disait voilà peut-être que ça va déclencher quelque chose. Euh, une interview à l'équipe où il dit peut-être que ça déclenche quelque chose chez moi pour euh, faire autre chose désormais. Enfin en tout cas demander un peu plus de responsabilités. Mais c'est vrai que euh, chez Jumbo on n'est pas on n'est pas aveugle. On voit bien que la route elle est bouchée quand même euh, pour pour les grands tours. Alors si après il veut jouer sa carte. Voilà. C'est en dehors de Jumbo. C'est -ce oui. sûr et certain. Ou alors ce sera sur le tour de Romandie, quoi. Ouais. Ouais, mais bon, c'est -ce moins intéressant. -ce que, ouais, voilà, est-ce que ça, est-ce que c'est est très bien le Tour de Romandie, mais est-ce que, es, est que tu, est-ce que, es que es ça vraiment valoir changer la voilà. qualité de leader en gagnant le Tour de Romandie Je suis pas sûr. L'avantage qu'il a par rapport à Roglic, c'est que lui, il est en fin de contrat l'année prochaine. Mm -hmm. Donc, s'il a envie de faire autre chose, ce sera quand même un peu plus simple pour lui et pour son équipe. Il faudra juste trouver une équipe qui est capable de lui donner un, un, un gros salaire de leader qu'il a déjà, alors qu'il n'est que, que équipier pour l'instant chez Jumbo. Euh, on va refermer la parenthèse Jumbo Visma, les copains. On va passer au deuxième sujet de cette émission. C'est la défaillance de Remco Evenepoel et les conclusions qu'il faut en tirer. C'est parti pour un C'était son être le troisième homme. Au début, on parlait même d'un duel Roglic-Evenepoel avant de savoir que Jonas Vingard allait venir sur la Volta. Il était le tenant du titre, Remco Evenepoel. Euh, il était dans, dans son projet encore de monter en puissance avant le Tour de France 2024 où on l'annonce face à Vingard et face à Tadej Pogacar. Il y a eu le Giro cette année, il faut le rappeler quand même, où il venait pour gagner un deuxième grand tour et où il a abandonné avant la montagne, touché par le Covid. Pas de sa faute, mais il se trouve qu'on n'a pas pu voir ce que, ça, ce que ça donnait. Et donc il y a eu cette Vuelta où il avait bien démarré, il était le mieux placé des favoris jusqu'à l'étape du Tour Malais qui était une des deux étapes-prennes. Grosse défaillance, quasiment 30 minutes de perdu. Le général qui s'envole. Euh, bon, premièrement, on va dire qu'il a réagi après ça. Il a gagné deux autres étapes. Il en avait déjà gagné une en début de, de Volta. Il termine avec le maillot de meilleur grimpeur. Il a été très actif. Est-ce que c'est forcément une Volta ratée pour Remcovenopoul Rémi, je te donne la parole en premier. Ou est-ce qu'on peut se dire que ce n'est pas si cata que ça bah, Quand tu viens pour gagner et que tu finis hors du top 10 en ayant pris euh, une demi-heure sur une étape, ce n'est évidemment pas, pas réussi. Maintenant, tu finis avec le meilleur, le meilleur grimpeur, tu gagnes trois étapes, euh, tu as animé toute cette Vuelta, euh, donc euh, il s'est, je pense, quand même amusé. Il disait avant, le, avant la Vuelta, ça, il semblait brouiller les pistes, qu'en gros, euh, il n'était pas trop sûr d'être euh, taillé pour la gagner cette année, etc. Il disait « si euh, je fais podium, c'est déjà beau ». Ouais, c'est ça, exactement. Bon, peut, toujours un peu d'intox hein, dans ce genre de, de, de déclaration, évidemment. Évidemment que c'est décevant pour un gars comme Renko. Maintenant, je vais revenir un an en arrière. Je me souviens d'avoir fait la preview de la Vuelta 2022 avec vous et je me disais, c'est la première fois qu'il sera leader sur un grand tour, je serais étonné qu'il gagne. Il avait gagné, il avait été très solide. Maintenant, on avait une Vuelta qui était beaucoup moins montagneuse. Il faut se rappeler du contexte. On a un primoz Roglic qui est sérieusement qui sur lui et qui est le Triple tenant du titre. Et finalement, voilà. Et en plus, le, le scénario fait que Roglic, ouais, il est, est il en, train, est en train de revenir dire, sur on l'a vu sur la haute montagne notamment. Et, et, et on a vu. Venopoul gagne, et c'est logique, mais on a bien vu que sur les étapes de haute montagne, c'était pas forcément son, c'était vraiment pas son terrain de jeu. Et là, on a vu, l'étape du Tourmalet elle était monstrueuse avec Spandel notamment avant, mm. et, et il craque. Donc, ça semble confirmer quand même que Remco en haute montagne, c'est pas, ça va pas être très, très, facile tout au long de sa carrière. Donc, ça m'étonne pas. Et du coup, il gagne trois étapes et il ramène le meilleur de meilleur grimpeur. C'est pas si raté que ça à mon sens. Quand on s'appelle Remco, évidemment, c'est décevant. Raté ou pas raté Non, moi je pense que c'est qu pas raté parce que euh, je pense qu'il faut être lucide. Euh, quand tu t'attaques un, un grand tour avec, euh, avec ce, ce profil, avec ce dénivelé face à Vingard et, euh, et Roglic et de manière globale cette équipe Jumbo Visma, euh, moi je l'avais dit quand on en avait parlé. Je, je n'imaginais pas Remco le gagner. J'imaginais un doublé, euh, un doublé roglic euh, roglic Vingard, dans le sens que, que Après, vous Remco, il avait le droit de faire troisième, tu vois, il n'était pas obligé. avait le droit faire de faire 3, Il avait le droit de faire troisième. Le problème, c'est que voilà, et c'est des choses qu'on a qu'on a déjà vu de la part de ça Remco, chat, hein. de, la, de la part de Remco dans sa carrière, c'est que encore une fois, et euh, c'est ce qui le dit très bien dans le dans le chat, euh, haute montagne et chaleur. Remco euh, n'aime pas ça, et même plus que la moi, c'est la, la haute montagne avec lequel j'ai un problème. J'ai un problème. C'est lui. C'est lui qui a un problème. Euh, Remcovenepoul reste limité, etc. Parce qu'au niveau de ses performances, euh, il, euh, il pourrait largement euh, faire de très beaux accessites sur des sur des grands tours. Il va continuer d'en faire. Mais face à cette équipe Jumbo Visma, qui n'ont aucun, aucune faiblesse, euh, aucun point faible, euh, tu ne peux pas avoir ce point faible-là si tu veux euh, gagner pas... une course face à eux. Ou alors, il faut seule... un, contexte, euh, un contexte adéquat comme, euh, comme il l'a eu l'an passé. Mais euh, alors, évidemment, tu vas me dire que oui, que ce n'est pas, pas pour ça qu'il perd 30 minutes, euh, etc ça reste Remco Vénopoul, qui est un coureur aussi, depuis le début de sa carrière, qui nous a habitués à euh, du très haut et aussi, et aussi, et aussi, du, et aussi du très bas. Ça ressemble plus au cyclisme. Que, que j'aime au cyclisme dans lequel je peux m'identifier contrairement à celui de la, de la Jumbo Je, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé la Volta de Remco très actif. Il, il nous a proposé beaucoup de spectacles. Mais le lendemain d'une défaillance ou pas 30 minutes, il, il fait une étape de, de, de malade mental. Euh, bah, parce si que si, si es dans parce un état d'esprit de poser des questions, tu peux aussi Le jour du tour malais, il n'était pas, il était pas, il était pas à son niveau. Évidemment qu'on peut, peut se poser des questions sur beaucoup de choses. Donc on il prend une soupe il va dormir et le lendemain tout va bien. Je me pose des questions sur, euh, je me pose des questions sur Woodpools. Je me pose, des, je peux poser des questions sur sur Prix évidemment, il faut aussi essayer d'enlever ce prisme-là, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Euh, le fait est que moi, le tour de le, la Volta de Remco, elle m'a régalé, parce que moi, en tête, j'avais quand même l'idée qu'il ait du mal à la remporter. Euh, la meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est justement de perdre ses 30 minutes et d'avoir cette latitude pour, euh, pour pouvoir faire ce que tu voulais sur les dernières semaines de la Volta. Et, aussi, et merci à lui d'avoir rendu cette deuxième semaine, ces deux dernières semaines de la Vuelta très intéressantes, parce que sans lui, c'est euh, un, un chemin de croix. Hein, euh, s'il avait perdu que 5 minutes, entre guillemets. On aurait eu un Remco encore dans la course au général, qui aurait pu tenter de renverser cette équipe Jumbo-Visma oui. Et quand on voit son panache et ce qu'il a été capable de faire après sa défaillance au tour Malais, sur l'étape du tour Malais, on se dit qu'un Remco avec 3-5 minutes de retard au général, il aurait pu tenter un grand coup pour renverser tout. Je sais pas c'est là, c est, c est, là est la question c'est que tu perds une demi-heure donc la Yembo elle sait que plus là. elle te laisse tranquille il a pu partir deux trois fois comme ça et puis les jours où il partait pas il se laissait encore décrocher et tout c'était assez bizarre d'ailleurs mais euh, oui c'était un tour de chasseur d'étape à la fin ouais complètement si t'es à 4-5 minutes, jamais t'as cette latitude pour sortir, même, même sur une, une échappée euh, même sur une échappée fleuve à 30. Oui, mais s'il est que... fort, il pouvait créer quelque chose. Après, s'il est assez fort, mais est-ce qu'il l'était de toute façon de, Même, pas, face à, même peu pas que face à Setiumbo directement, est-ce qu'il était assez fort en haute montagne pour euh, pouvoir renverser la situation J'en suis pas convaincu euh, non plus, ouais. pour moi... Euh... Même, oh là, il, majoritairement C'est la, hein. la, la preuve pour moi que oui, euh, Remco en haute montagne, c'est pas. Euh, c'est ça. Après, je parler Il y a des gens dans le chat qui sont, peu, qui sont un peu chafouins. Lloyd, euh... il, et, et, et il a raison, en fait, je me pose une question, Polo. Lloyd, il dit Vous êtes en train de dire qu'il est pas bon en haute montagne Non, bah, on n'a jamais, jamais dit ça. Déjà. On ça a dit qu'il était moins bon que ses adversaires principaux pour gagner un grand tour en haute montagne. Sauf que sur cette étape du tour malais, ce pas un Remco qui est juste un peu moins bon que Roglic et Vingard en haute montagne c'est un, un Remco pardon, qui prend 30 minutes dans la figure donc c'est une grosse défaillance c'est pas juste il est un peu moins bon oui. en haute montagne est-ce qu'il y a d'autres exemples en fait c'est la question que je me pose mais, sur mais, le Giro cette année, il n'y va pas en montagne, il abandonne avant l'année la dernière, la dernière, dernière j'en parle souvent bien. et c'est vrai qu'on n'a pas, pas beaucoup de points de, de, points de comparaison mais l'année dernière sur la, sur la Vuelta dès qu'on a passé 2000 mètres euh, il a perdu. Je crois qu'il perd, perd deux minutes sur, sur Primoz Roglic. Pas, on n'est pas en train de dire qu'il est nul en montagne. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. C'est qu'aujourd'hui, il, il vient sur les grands tours auxquels il participe avec l'objectif de gagner ces euh, grands tours. Et face à des coureurs comme Vingard, comme Roglic ou même comme Pogacar, euh, pour moi, il est moins fort. Et à partir du moment où tu es moins fort là-dessus et que tu ne fais pas les différences qu'il n'a pas su faire, notamment sur le contrôle la montre, et ben, le, du coup, le, le rapport, il, le rapport, il devient compliqué pour gagner un grand tour. On n'est pas en train de dire. Que, euh, que c'est une pipe en montagne, Remco Evenepoel, c'est pas une semi-pipe. C'est pas, non, c'est pas une semi-pipe, tu vois, c'est pas, j'allais je, 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 dire Dylan Groenewegen ou un sprinter, tu vois, c'est pas, c'est pas un sprinter, Remco Evenepoel en montagne, loin de là, c'est un excellent grimpeur, un super grimpeur, peut-être l'un des cinq meilleurs grimpeurs même de, de cette de cette Volta. Mais si tu veux gagner la Volta, ça ne suffit pas, parce que tu as des mecs devant toi qui roulent peut-être un peu moins vite que toi en contre la montre, mais qui eux sont toujours sont toujours au top niveau. Et c'est le problème de, de cette jumbo, qui n'est pas un problème pour eux, mais qui est un problème pour le reste du monde, c'est que ces mecs-là n'ont pas de défauts. Donc euh, moi, je n'ai pas un problème avec l'autre montagne du comme Je dis juste que s'il veut euh, gagner des grands tours, il faut qu'il soit euh, au moins, qu'il n'ait pas de jour, de jour sans... Et le fait est que les jours sans qui, qui arrivent, c'est des jours, logiquement, où il y a de la montagne et de la haute montagne. Et c'est sur ces jours sans là que tu perds le plus de temps. Donc euh, ce n'est pas contre Remco que je dis ça, je ne dis pas qu'il est nul. Mais je dis qu'aujourd'hui, bah, pour gagner un grand tour, il faut être extraordinaire, du premier au dernier jour, et que les jours où ça ne va pas, il faut être capable de tamponner. Et ce n'est pas ce que Remco. Et Venepoule, notamment dans une étape de haute montagne, est capable de faire. Donc, il n'a pas été capable de le faire sur cette Volta. Sur les courses par étapes, il faut dire que cette année, ça a été de manière générale un peu plus difficile pour Remco. Et à l'abandon sur le Giro, on a du coup cette incertitude de qu'est-ce que ça aurait donné. On n'a pas l'impression qu'on avait sur le Giro un Primoz Roglic ultra-dominant parce qu'il a quand même gagné à la toute fin dans ce contre-la-montre un peu rocambolesque face à Geraint Thomas. Mais bien. Donc on peut se dire qu'on n'avait pas un Roglic une jambe au-dessus de, de, de la concurrence quand même. Mais il y a eu ce Tour de Catalogne, on a eu ce duel Remco -Roglitch. Où ça s'est joué à une poignée de secondes chaque jour, mais où c'est Roglic qui s'est imposé. Et donc, Remco, on, peut, on a du mal à trouver quand même des références, en dehors de la Volta de l'année dernière, qui est, qui est super, mais on l'a dit, Roglic ne termine pas. Euh, un Remco qui bat les Cador, c'est-à-dire Pogacar, Vingard ou Roglic, disons ces trois-là, quand il est contre eux, il ne les bat pas. Ah, c'est ça. Et moi, l'année dernière, l'exemple, je, quand, quand je, je me posais la question du niveau de Remco sur trois semaines, je disais, ses références sont sur une semaine. Il a gagné le tour d'Algarve, euh, des, des tours d'une semaine comme ça, alors de, de bons niveaux, mais pas des. Ce qui te fait rentrer dans l'histoire, c'est les grands tours, on le sait. Et comme tu le dis, il a certes cette Vuelta et on ne lui enlèvera pas, mais euh, qu'est-ce qui se serait passé si Roglic n'avait pas abandonné Et du coup, il y a ce et si Il abandonne sur le Giro, là, il, il a une, une énorme défaillance. Bon, je pense qu'après, il se laisse glisser évidemment aussi, hein, attention, mais. Euh, du coup, il va falloir. Qu il... Et même sur les, étapes, sur les courses d'une semaine cette année, il n'a pas été autant en réussite que, par, que depuis le début de sa carrière. Donc du coup, est-ce qu'il est un petit peu en train de rentrer dans le rang C'est peut-être un, un grand mot. se rend compte juste qu'il est peut-être derrière le, le trio. Mais, et, mais est voilà, et il est, il est peut-être une demi-jambe en dessous de certains grimpeurs, certains très bons grimpeurs, certains très bons coureurs par étape que sont Fingerguard, Roglic, Pogacar, etc., et euh, il va falloir encore qu'il qu qu travaille. Il n'a que 23 ans, hein, c'est le plus jeune de toute cette bande, donc euh, il a encore du temps, il va progresser, c'est évident. En chrono, il, il est au-dessus de ces mecs-là, puisqu'il est champion du monde, hein, mm -hmm. accessoirement, en battant Ghana. Donc euh, voilà, il a d'autres armes, évidemment. Il peut gagner des grands tours, il le pourra, mais euh, il va falloir quand même qu'il progresse ouais. dans le certains cas. Il va, il va ouais. très souvent ouais. être face au, au moins à ces trois-là. Alors, Roglic, on, on a dit tout à l'heure, il a 33 ans, il est. Plus proche de la fin que du début, mais Vingard et Pogachar sont jeunes aussi, euh, surtout Pogachar et il va se les taper malheureusement pendant des années et des années euh, sur la plupart des grands tours où il va vouloir aller. Ça. Et on, on parle beaucoup du Tour de France 2024 parce que c'est censé euh, théoriquement être la découverte pour Remco Evenepoel sur le Tour de France, et donc un, un match à trois qu'on imagine euh, qui nous fait saliver avec euh, Tadej Pogachar et, et Jonas Vingard. Mais en fait, aujourd'hui, si on se projette sur le Tour ouais. 2024, vous, vous vous dites les gars, Remco va se faire manger voilà. tout le coup On a envie de le voir, on a envie de voir Remco et Venepool et ce, ce style vraiment différent des, des deux autres euh, rivaliser avec ces gens. C'est comme quand tu comparais, alors attention, quand tu comparais le style d'Armstrong avec le style de, de Jan Ulrich, c'est vraiment deux oppositions de style qui, qui, qui font, qui font l'histoire du cyclisme depuis, depuis des années. Euh, évidemment que dans les voir Remco et Venepoule euh, avec un Vingard ou batailler avec un, avec un Pogacar euh, sur trois semaines, le, la question. Et peut-être qu'il va être temps maintenant d'aller sur le d'aller sur, sur le Tour de France. Ben voilà, c'est de l'envoyer dans le grand bain. Il se fait manger ou pas alors C'est trop facile à dire. Aujourd'hui, évidemment. Aujourd'hui, si tu mets un, un, une question dans le chat, tout le monde, va dire. Tout monde, tout <laughs> monde va dire que oui. Tu n'as pas préparé beaucoup de sondages, <laughs> de Robin. C'est <laughs> Joseph. Mais non, mais pour revenir pour revenir à ça, évidemment, si tu poses la question aujourd'hui, oui, Remco Evenepoel euh, se fait manger. Par contre. On l'a vu cette année, on parlait de progression. On l'a vu être capable de rivaliser sur des arrivées à 3-4, capable de alors, gagner d'esprit, alors que ce n'était pas le cas. Pas le cas. Et tu sens qu'il a une marge de progression un peu dans tout, Remco Venepoule, dû à son âge et dû aussi à un talent, un talent extraordinaire. Moi, je pense que Remco Venepoule peut peu, peu rivaliser, je l'espère. Alors euh, non, Gagner, je, vous ça vous me paraît pas, très compliqué. On ne pas encore le parcours du prochain Tour on de France, mais s'il y a beaucoup de chronos, ça peut si être a beaucoup aussi de chrono, un euh, élément qui joue pour Remco. Parce évidemment, que Remco pour, évidemment, on est dur avec lui, notamment avec ses 30 minutes de perdu. S'il n'a pas cette journée off, euh, il, il fait top 3, je pense, de, de cette Volta. Alors, et si... Euh, oui, il a le niveau pour être. Si maintenant voilà, si tu en avais, on l'appellerait mon oncle, tu vois. Mais, mais le fait est que je pense qu'il fait podium cette année, tu vois. Euh, par contre, euh, voilà, ce qu'il faudra gommer, c'est ça. On parlait de petits défauts que que ça a réussi à gommer pour aller gagner ce, cette Volta, d'être euh, bon sur trois semaines d'être très bon en chrono, là on ne l'attendait pas forcément, il faut que Remco travaille sur les choses sur lesquelles on l'attend maintenant. Euh, la Haute-Montagne a la capacité à ne pas avoir de, de jour 100 sur, sur trois semaines. S'il arrive à gommer ces deux, ces deux petits défauts-là, pour moi il n'y a aucun problème sur le fait qu'il puisse devenir un contender puis, pour le Tour de France. Il a, on, on parle de, de grands tours et c'est évidemment, on est, on est toujours hypé par ça, Giro, Tour Vuelta bien évidemment, mais, et puis les courses d'une semaine aussi, mais sur les courses d'un jour… Remco, c'est très solide aussi. C'est deux victoires sur les Jeux C'est un titre de champion du monde d'une course en ligne. Et je pense que ça fait... Si partie je suis un peu mecs... taïkion, je te dirais qu'il n'a pas encore affronté Pogachar sur les Jeux Liège. Voilà. <laughs> il, y des, il y a des choses évidemment en fait, à revoir, je suis d'accord. Je pense que par exemple, il ne gagnerait pas une flèche Wallonne. C'est trop, mm -hmm. trop compliqué, le mur de lui est trop compliqué pour lui. Mm -hmm. Mais euh, Remco, c'est complètement le, le mec qui, comme Pogachar, peut gagner pas mal de classiques différents, pas mal de ça monuments ballons, différents. Ouais. Euh, un Milan-San Remo, ça peut éventuellement lui convenir parce qu'il est capable d'attaquer de loin. Euh, je pense que même un Tour des Flandres, ça pourrait. Euh, ouais. Pourquoi pas Paris-Roubaix Peut-être pas. Et peut peu Paris, pour l'instant, c'est pas trop son truc. C'est pas, pas trop voir si son truc. ça évolue Ouais, mais attention. C'est le ce genre de gars qui a une telle marge de progression qu'il peut tout faire. Une Amstel sans problème. Même un Lombardie, hein, peut-être. Euh, bah, oui, les Lombardies, ça sent clairement. Si, euh, il est clairement un prétendant. Ouais. Si, si tu enchaînes les, les, les courses d'un jour comme ça, les grosses classiques, euh, ça fait quand même de toi un très très bon coureur aussi. Évidemment que Remco, on va, on va le, le, le juger à l'aune des, des, des résultats sur les grands tours, mais il ne faut pas oublier les autres courses, notamment les monuments. Et Man le dit dans le chat, euh, peut-être que pour ce coureur qui n'a pas euh, la, la marge euh, qu'ont des Pogacar ou d'autres coureurs, peut-être plus cibler ses objectifs aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, pour un coureur comme Remco, c'est pas possible d'être à son top pour liège bastogne liège et euh, d'être à son top euh, 4 mois, 5 mois plus tard, euh, je ne suis pas très bon en moi, euh, pour, pour <laughs> gagner la Vuelta. Euh, ce n'est pas, pas Pogacar, ce n'est pas Vingard, ce n'est pas un jumbo. Donc, euh, ouais, peut-être plus cibler sur l'objectif. Ce sera la question pour Evenepoel, De toute façon, on sait que euh, jouer les classiques et les grands tours, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, dans le peloton, il n'y a que Taïe Pogacar qui y arrive véritablement. Donc, euh, forcément, ce n'est pas donné à tout mm. le monde. On a terminé pour Remco Evenepoel, il ne reste pas beaucoup de temps les gars, mais on va aborder quand même la Vuelta des Français. On va parler un petit peu de Léni Martinez et des autres qui ont brillé. C'est parti pour la flamme rouge. On attendait les jeunes coureurs de la groupe AMFDJ, notamment un duo, Lenny Martinez, Romain Grégoire. 20 ans tous les deux, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Lenny Martinez, oui. Romain Grégoire, je ne sais plus. Il y a eu des anniversaires qui ont qu on été soumis ouais, Benny Martinez, il a 20, 20 ans, 20 ans. ça, ça c'est sûr. Romain Grégoire, j ai, j ai... J ai... je vais vérifier. Zdenek nous dit bien. un mot sur l'enflammade Martinez. Oui, 20 ans, évidemment. Romain Grégoire. Enflammade, c'est sévère. Euh, on a quand même un Français qui a porté le maillot rouge, et ce n'est pas n'importe lequel, c'est euh, un des plus grands espoirs tricolores, qui a donc sur l'étape où euh, Sebkes a construit sa victoire sur cette Volta, a gagné 3 minutes. Lenny Martinez, lui, avait pris le maillot rouge, terminé deuxième de cette étape-là derrière Sepkus euh, pour une, euh, une découverte de la Volta. C'est exceptionnel ce qu'il nous a proposé, là. C'est formidable. Mais on ne savait pas comment il allait tenir sur 3 semaines. Le fait est qu'en effet, bon, bah derrière, ça a été très compliqué, mais c'était une découverte. Et bon bah, pourtant on peut grand tour euh, prendre le maillot de leader puis même jouer vraiment sur la, sur les dix premiers jours il est vraiment euh, à la lutte avec les meilleurs. Hein. la victoire de Remco euh, lors de la troisième étape euh, il finit euh, il finit top 4 top 5 je crois mm -hmm. euh, enfin, En tout cas, il est top 10 il est déjà top 10 euh, sur la deuxième étape. Enfin, voilà il a vraiment joué avec ces, avec ces, ces mecs là Alors évidemment il a l'altitude pour, pour partir euh, lors de la sixième parce que bon bah ils savent les leaders que c'est pas un mec dangereux. Mais euh, c'est assez phénoménal. Une grosse en, échappée, en... fallait encore se retrouver parmi les meilleurs de cette espèce. Il, il part après en plus. Il sent que cette mmh. cet échappée va aller au bout et il y va. Donc en plus, il y a déjà un petit peu de science de la course chez Lenny Martinez qui fait que c'est hyper, euh, bah, hyper prometteur pour la suite. C'est déjà un très très belle Vuelta oui. Un Donc. peu déçu Polo de, 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 de la suite. De, de ce a été ce a pas pas après ça? Je pense que c'est important de rappeler que Lenny Martinez a 20 ans, que ce n'est pas Evenepoel, que ce n'est pas Pogacar, qui sont des, des ovnis du cyclisme, pour de bonnes ou de, ou de mauvaises raisons, le temps, le temps nous le dira. Lenny Martinez, il a que 20 ans. Euh, on n'a pas le droit d'être déçu euh, de, de, euh, de, de, de ces résultats, quels qu'ils soient. Euh, on, aurait pu être dé... on aurait pu se poser la question s'il avait été inexistant sur, ce, sur cette Volta, alors qu'il arrivait quand même avec euh, une ambition d'exister sur des étapes, voire de faire un bon classement général. Il arrive euh, en faisant un euh, podium d'une étape, euh, d'une étape euh, avec quand même le vainqueur du, de la Volta devant lui oui. et Romain Bardet très en forme juste derrière, euh, d'une très très grosse étape. Il prend le maillot pendant, pendant trois jours, euh, le maillot de leader. Euh, ce, serait, ce serait terrible pour lui et pour la suite euh, de, de dire qu'on a été déçu de, de ce qu'il a pu faire sur cette, euh, sur cette Volta. Ça reste des jeunes. Alors, certes, on a énormément d'attentes, et c'est pour ça qu'il faut savoir tempérer quand on est français. Énormément d'attentes autour de lui, autour de Romain Grégoire, qui sont des, euh, des, très, des très beaux espoirs de notre cyclisme. Par contre, on ne peut pas être déçu d'un petit gars de 20 ans. Euh, qui pour son premier grand tour euh, joue la, 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 la victoire d'étape sur une très belle étape et qui en plus prend maillot jaune derrière en faisant une, une première semaine de Vuelta euh, extraordinaire pour, pour son âge. Non, bravo à Elie Martinez et, euh, et on, va attendre, on a hâte de voir la suite. Je vous pose une question dans le chat, la note de la Volta des Français, c'est sur 10, hein, ne me mettait pas des 14, 14,5, euh, mais vous pouvez mettre une petite note sur 10. Et je vous pose la question à vous deux, Rémi, Paul, on va terminer là-dessus parce qu'on n'a vraiment plus le temps. Donc je vous demande d'être très court, sinon je me fâche. Rémi, une note sur 10 pour la Volta des Français. On rappelle juste, Romain Grégoire fait deuxième d'une étape, Romain Bardet très présent aussi, plusieurs sites. et Geoffrey Soupe, dans un sprint très décousu, qui allait gagner une étape magnifique. Je vais mettre 6. Pour Geoffrey Soupe, évidemment. Pour ce qu'a montré Romain Bardet, mais malheureusement, sans cette victoire au bout, ça me déçoit énormément en tant que fan numéro 1, je pense, de Romain Bardet. <laughs> Très content, évidemment, de, de Lily Martinez. Un petit, peu plus, un petit peu moins de, de Romain Grégoire, même s'il y a cette deuxième place, il est battu par plus fort, il n'y a pas de souci, euh, mais il était dans le, il était dans le coup. 6 euh, quand même, parce que je m'attendais. Je pensais qu'il y aurait plus de victoires. Okay. Je dois avouer. Polo Tu vois bah, rap hein. Rapidement, Polo ouais, euh, Rapidement, désolé. Euh, ouais, rapidement, je mettrais 6,5, 7, allez. 7 pour Annie Martinez et Geoffrey Soupe. C'est dans les eaux de 200. Romain Bardet fait une très belle Vuelta mais ne gagne pas et je pense qu'il était venu pour ça. Donc ça ne peut pas rapporter des points. Et après, pas de victoire d'étape, personne au classement général. Allez, je mets 6 plutôt. que 6,5 Allez, 6,5. Comme le chat. Il est raccord pour Merci messieurs, on a fait le tour, on a fait un gros débrief de cette volta. Bon, je suis désolé, on n'a pas eu beaucoup de temps pour parler des Français mais c'est parce qu'on a été bavard sur Jumbo-Visma et Remco Evenepoel, ça valait le coup je pense. Ouais. C'était peut-être la dernière de cette année ou peut-être pas On ne sait pas encore. On sait pas. Si on revient, ce sera peut-être pour le Tour de Lombardie. Voilà, on, va, on, va discuter, <laughs> on va discuter avec, euh, avec nos, nos amis de Winamax pour savoir ce qu'on fait pour la suite. En tout cas, même si on n'est pas là pour le Tour de Lombardie, franchement, regardez ce sera la dernière course de Thibaut Pinot. Donc ça vaudra forcément le coup. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine à tous et j'espère qu'on se revoit vite, <laughs> ouais, les amis. Salut ouais. les gars Bye